Washington, 13 juillet 1945. Barbara chérie, à moins d'un changement de dernière minute, cette lettre sera ma dernière pour quelque temps. Enfin, le départ approche. Mon frère Bud a été nommé chef de la mission. Il doit nous rejoindre bientôt avec Bob Parrish et un autre monteur. Nous allons sillonner une dizaine de villes allemandes à la recherche de films et de photos qui pourront servir de preuve au procès de Nuremberg. Nous devrions faire quelques incursions dans les zones d'occupation françaises et britanniques. Parfois, je me dis que je n'ai pas les épaules assez larges pour une telle mission. Je n'ai encore jamais eu autant de responsabilités. Il y a tant à faire et tant de choses si importantes. Parfois, cela me terrifie. La guerre se termine. Le monde entre dans une nouvelle ère, au rythme des discussions entre les vainqueurs. La question du châtiment à imposer aux criminels de guerre nazie fait l'objet de plusieurs rencontres au plus haut niveau, à l'issue desquelles il est décidé d'organiser un grand procès en Allemagne même, dans la ville de Nuremberg. Les modalités de ce procès inédit, qui fera date dans l'histoire, sont discutées à Londres à partir du mois de juin 1945. Au même moment, à 6000 km de là aux États-Unis, deux jeunes soldats, deux frères, s'apprêtent à vivre une aventure qui les marquera à vie. Le plus jeune, Stuart Schulberg, qui écrit pratiquement chaque jour à sa femme, n'a alors que 23 ans. Son frère, le lieutenant de marine Bud Schulberg, 31. Jeune, idéaliste, ils sont à l'image de ce nouveau monde, né sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Tous deux ont accepté une mission spéciale, pister et rassembler les archives des crimes nazis, films et photos, qui vont servir de preuve contre les 24 dignitaires du régime qui doivent être jugés à la mi-septembre, au procès de Nuremberg. C'est le grand réalisateur John Ford en personne qui leur a confié cette mission. Ford dirige à l'époque la Field Photographic Branch, une unité spéciale de l'OSS, les services de renseignement américains chargés de toute la documentation visuelle de la guerre. Le gros de ses troupes a été recruté parmi les cinéastes et les techniciens de Hollywood, où le nom de Schulberg était célèbre. Le père de Stuart et de Bud était l'un des patrons de la Paramount. Nous sommes alors au début de l'été 1945. Cela leur laisse 3 mois. 3 mois pour rassembler les preuves en images du plus grand crime de tous les temps et constituer ainsi le fondement de notre mémoire collective de cette période historique. Si les documents rassemblés par les Schulberg et présentés au procès de Nuremberg sont aujourd'hui célèbres, il existe peu de traces de la mission elle-même. Quelques lettres envoyées par Stuart à sa jeune épouse Barbara, quelques photos conservées par sa fille, Sandra Schulberg, devenue la gardienne de cette histoire méconnue. Au fil de nos recherches, nous avons découvert ces images, les seules existantes de la mission Schulberg. Au centre, Stuart, le plus jeune des deux frères. Sandra les découvre pour la première fois. C'est une découverte extraordinaire. J'ai des photos de mon père jeune, mais je ne l'avais encore jamais vu comme ça, sur un film. C'est vraiment formidable. Cela m'émeut de penser à quel point Stuart était jeune. Il était le plus jeune membre de l'équipe cinéma de l'OSS. Je me dis que cela devait être vraiment choquant de voir et de revoir toutes ces images d'atrocités. Ils devaient travailler avec toutes ces images et les visionner des centaines de fois. Et dans le même temps, je suis frappée par cette sorte d'innocence qu'ils devaient avoir à l'époque, par leur conviction qu'ils étaient en train de faire quelque chose de vraiment important. Quelques autres éléments nous permettent aujourd'hui de reconstituer en partie la mission.
notamment cette conférence, donnée à la fin de sa vie par Bud Schulberg, devenu après-guerre l'un des plus grands scénaristes de Hollywood. Il y fait revivre à son auditoire les moments clés de cette plongée exceptionnelle au cœur de la grande histoire. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. Nous avons commencé par récupérer toutes les actualités de la Fox Movie Tone, qui étaient en fait des films allemands avec nos commentaires américains. Et nous sommes allés les visionner à New York jour et nuit. Jour et nuit. Après deux semaines intensives au siège de la Fox Movie Tone, la principale banque d'images américaine, les deux frères sélectionnent une trentaine d'heures, intégralement analysées et répertoriées. C'est dans cette première sélection que figurent les images des premiers autodafés, ou encore celles du discours de Göring, alors ministre de l'Intérieur, à l'origine des premières émeutes antisémites. Le procès devait commencer le 15 septembre. Et le général Bill Donovan, qui était le chef de l'OSS, m'a dit quelque chose qui m'a fait l'effet d'une bombe. Il m'a dit, au fait, rien de ce que vous avez récupéré à New York, tous ces films de la Fox Movie Tone, ne pourra être utilisé. Ils sont intransigeants à ce propos. On ne pourra rien utiliser qui vient des États-Unis, les avocats de la défense s'y opposeraient. Ils pourraient dire que nous avons trafiqué les films. Tout était à refaire. Il fallait tout reprendre depuis le début. Devant l'impossibilité d'utiliser les images obtenues aux États-Unis, les deux frères n'ont d'autre choix que de se rendre en Allemagne, à la recherche des originaux qui ont servi à monter ces reportages. Le pays n'est plus qu'un champ de ruines. Nuremberg, la ville symbole du nazisme triomphant, est une ville fantôme. Mais le palais de justice, même partiellement endommagé, semble encore tenir debout. Les équipes américaines s'activent sur place pour que tout soit prêt dans les temps. C'est le procureur Robert Jackson qui a pris les commandes des opérations. Membre de la Cour suprême des États-Unis, c'est un homme visionnaire qui entend faire du procès l'acte fondateur d'une justice internationale qui reste à construire. Pour la première fois, un tribunal va se prononcer sur des crimes commis par un État souverain. Et pour la première fois, un nouvel acteur fait son apparition dans le prétoire, un écran de cinéma. En général, dans un prétoire anglo-saxon, les juges sont placés en fond de salle, à la croisée des regards et face au public. Et pour installer l'écran de cinéma, l'OSS a eu l'idée de déloger les juges pour installer l'écran et donc le placer au point focal de la salle, ce qui nécessitait donc de déplacer les juges sur la droite à la place laissée vide, vacante par le jury, puisqu'il n'y avait pas de jury au procès militaire international de Nuremberg. « 16 juillet 1945. Ma chérie, je t'écris d'Allemagne. C'est étrange d'être ici, de marcher dans ces villes nazies en ruine. Tout est démoli, comme si les fondations d'une ville antique avaient été mises au jour. Les gamins courent et jouent au milieu des destructions, nous demandant du chocolat. Les soldats allemands que nous croisons, avec leurs paquetages et leurs uniformes usés, ont l'air épuisés et sales. On sent qu'ils évitent notre regard. Les gens ici nous détestent, cela ne fait aucun doute. Ça ne va pas être facile de les convertir à la démocratie avec de belles paroles. Pour eux, il ne s'agit que de propagande américaine. Les Schulberg sont désormais dans une villa réquisitionnée dans la banlieue de Berlin, où ils installent leur salle de montage. L'une de leurs premières missions concerne le film « Triomphe de la volonté ». Un monument de la propagande nazie tourné lors du congrès du parti de 1934 à Nuremberg. Une copie américaine du film était déjà connue des services de renseignement.
Après une première analyse de la copie allemande, ordre a été donné à Bud Schulberg de retrouver et d'arrêter la réalisatrice du film, Leni Riefenstahl, une des membres du premier cercle autour d'Adolf Hitler. Les images de rassemblement du parti avaient deux intérêts pour nous. D'abord, par rapport à ce qui se disait dans ces rassemblements. Et ensuite, par rapport à la présence de telle ou telle personne, puisque leur présence même sur place les accusait. Certains nous disaient qu'ils n'étaient que de simples fonctionnaires, qu'ils n'étaient pas liés au parti nazi, et là, on les voyait avec leur insigne, etc. Et Leni Riefenstahl nous a beaucoup aidés pour identifier ces différentes personnes. Parmi les dignitaires nazis identifiés avec l'aide de Leni Riefenstahl figure notamment Hjalmar Schacht, l'ancien ministre des Finances d'Hitler. Alors qu'il avait affirmé aux enquêteurs américains ne pas avoir été compromis dans le nazisme, les images de sa présence parmi les officiels prouvent le contraire. Leni Riefenstahl identifie également Hans Frank, l'ancien gouverneur nazi de Pologne, partisan de l'extermination de tous les juifs du territoire, qui lui aussi siégera quelques semaines plus tard sur le banc des accusés de Nuremberg. La stratégie des procureurs à Nuremberg était de faire condamner les accusés sur la base de leurs propres mots, des enregistrements qu'ils avaient eux-mêmes réalisés de leurs actes criminels. Les procureurs avaient à leur disposition les films que Leni Riefenstahl et d'autres avaient tournés, des éléments provenant du gouvernement allemand lui-même. Et personne ne pouvait dire que ces films avaient été trafiqués ou même orientés par un montage tendancieux. Il s'agissait de la présentation faite par les Allemands eux-mêmes de leurs propres actions. L'écrit n'est pas réellement adapté pour décrire ce qui s'est passé. Dans une situation criminelle ordinaire, vous êtes en train de marcher dans la rue, quelqu'un vous pointe une arme sur la poitrine et vous demande votre argent. Nous pouvons tous imaginer cela. Mais personne ne pouvait réellement imaginer ce qui se passait sous le règne de la terreur nazie. Et pour moi, seules les images sont capables de s'approcher de cela. Parmi les kilomètres d'horreur retrouvés et visionnés par l'équipe des Schulberg figurent ces images, tournées par les Allemands eux-mêmes dans le ghetto de Varsovie en 1942. Ce n'est qu'à partir des années 90 que de nouvelles recherches ont permis de comprendre qu'il s'agissait d'un film de propagande nazie, destiné à illustrer la soi-disant infériorité des Juifs. Il reste qu'en 1945, lorsque les Schulberg découvrent ces images, le choc est rude. Car les victimes, elles, sont bien réelles. Quelqu'un m'a demandé « Quelle est la chose la plus horrible parmi toutes les choses horribles que vous avez vues ?» Et j'ai dit « Je crois que ce doit être dans ce film allemand sur Varsovie. On y voit des fosses où ces pauvres corps émaciés sont enterrés. Et on voit un caméraman allemand, en bas, dans la fosse, en train de filmer en contre-plongée les maigres corps nus jetés devant lui. Ils sont en train de faire ça. Ce ne sont pas des images prises par le camp adverse. Ce sont eux, filmant ce qu'ils sont en train de faire, y compris le plus incroyable des femmes, des enfants jetés comme ça, sous les yeux du caméraman. Penser que ce type était en train de filmer ça comme un simple boulot, c'est
Enfin, ce sont des images qui m'ont poursuivi toute ma vie. Au palais de justice de Nuremberg, les préparatifs s'accélèrent. La date de l'ouverture du procès, prévue à la mi-septembre 1945, approche à grands pas. Pour étayer les accusations, l'équipe du procureur Jackson maintient la pression sur la mission Schulberg. Nous étions très inquiets par rapport au délai. Nous n'avions que très peu de temps. Je suis allé à Nuremberg pour parler à l'équipe juridique de Jackson, pour obtenir des détails sur les actes d'accusation et savoir précisément comment les preuves photographiques pouvaient concorder avec leurs actes d'accusation. À partir de ce moment-là, nous avons travaillé en très étroite collaboration. Ils étaient en train de construire le dossier d'accusation autour de la notion de conspiration, en argumentant que les nazis et Hitler avaient conspiré depuis le début, à partir de 1933. Et donc, il y avait différentes étapes dans l'accusation. Crime contre l'humanité, contre la paix dans le monde. Donc, à chaque fois, je repartais avec ces informations à la recherche de nouveaux films. Sur le petit film réalisé à l'époque sur la mission Schulberg, figure cette séquence qui retrace le travail de recherche d'images de crimes nazis. La mise en scène ne fait pas dans la dentelle. Et les situations paraissent à peine crédibles. Pourtant, cette scène a réellement existé. Certains films ont été trouvés dans ce type de circonstances, abandonnés au cours de la débâcle de l'armée allemande. Alors que le dossier d'accusation est loin d'être bouclé, certaines tensions apparaissent au sein de l'équipe américaine, partagées sur la stratégie de Jackson de tout miser sur les documents nazis, au détriment des auditions de témoins. Ces rivalités, ajoutées à la contrainte de temps, compliquent encore un peu plus la tâche des Schulberg. Hier, j'ai pu envoyer un nouveau chargement à Londres, des documents SS secrets, films et photos. Je repars d'ici peu sur le terrain pour poursuivre nos recherches. Si seulement nous pouvions nous débarrasser de toute la paperasserie administrative qui ne fait que ralentir notre mission. Chaque perte de temps signifie moins de chances de retrouver ce que nous cherchons. Je déprime un peu ce soir. Car c'est vraiment le bazar ici, pour tout dire. En temps normal, cela me serait égal, mais cette mission est vraiment capitale. Toute la hiérarchie compte sur nous. Mais si ça continue comme ça, la plus grosse mission que la Field Photographic Unit ait jamais eu à faire risque de se terminer en gigantesque plantade. Alors que les Schulberg doutent sérieusement du succès de leur mission, une nouvelle prise déterminante leur redonne espoir. Cette prise, c'est Heinrich Hoffmann. Il est le photographe personnel de Hitler. Les Schulberg et leur équipe de monteurs, ici Joe Zigman, l'ont repéré sur l'un des films saisis. Il est rapidement arrêté, ainsi que d'autres techniciens de cinéma du département de la propagande dirigé par Goebbels. Stuart Schulberg parvient ainsi à saisir la totalité du stock de photos de Hans Hoffmann. 12 000 clichés, qui sont immédiatement envoyés à Londres pour y être analysés en vue du procès. Pour tenter de prouver leur bonne foi, les prisonniers fournissent de précieux renseignements aux militaires américains. On a appris grâce à eux que les SS avaient leur propre service cinématographique. Et ils faisaient ce qu'ils appelaient des rapports, des comptes rendus. Nous, on appellerait ça des images d'atrocités, mais pour eux, c'était un travail dont ils étaient très fiers. Tuer tous ces Juifs, faire tout cela, c'était de leur point de vue permettre d'épurer l'Allemagne et finalement l'Europe entière. Ils disaient que ces films, qui étaient souvent des films à deux bobines, étaient projetés au domicile des leaders nazis, Goebbels, Himmler, Hitler et les autres. Et ils appelaient ça des desserts, parce qu'ils les montraient comme une sorte de divertissement après le dîner. Alors on s'est dit qu'il fallait qu'on retrouve ces films.
Grâce au tuyau d'un autre informateur, Bud Schulberg apprend l'existence d'une cache secrète où les nazis auraient stocké certains de leurs films les plus compromettants. D'après ces informations, la cache se trouve au fond d'une mine de sel, à 600 mètres de profondeur. Cette mine existe toujours aujourd'hui. Elle se trouve à Grasleben, dans la région de Magdebourg. Nous avons traversé un long tunnel et au bout de ce tunnel, nous avons découvert quelque chose d'incroyable. Des kilomètres de films en train de se consumer. Il y en avait partout. L'équivalent de plusieurs terrains de football. Ils avaient tout brûlé. Il devait y avoir des millions de mètres de pellicule. Tout ça en fumée, détruit. Nous les avons perdus. Ce que nous avons perdu dans cet incendie est d'une valeur historique inestimable. Apprenant l'existence d'une autre cache secrète, à Rüdersdorf, près de Berlin, Bud s'y précipite, dans l'espoir d'y saisir des films intacts. Mais trop tard. Là encore, le site vient d'être incendié. Au minimum, on peut dire que tous ces incendies intervenus sur une si courte période représentent une coïncidence remarquable. Il est probable qu'il y ait eu une politique systématique de destruction des films qui aurait pu être retenue à charge. C'est tout à fait comparable avec ce qu'ils ont fait avec d'autres preuves, comme lors de l'opération 1005, lorsqu'ils ont tenté d'exhumer tous les corps de personnes tuées par balles, notamment sur le front de l'Est. Ils ont cherché à brûler tous ces corps pour effacer les preuves du crime. Je dirais que c'est exactement ce qu'il s'est passé avec les films. Les Schulberg se livrent alors à une véritable course contre la montre. Il faut impérativement qu'ils trouvent d'autres stocks d'archives avant que les nazis ne parviennent à les détruire. Nous sommes déjà au mois de novembre 1945 et la salle 600 du palais de justice est désormais fin prête. Les journalistes du monde entier commencent à converger vers Nuremberg. Alors que la pression est maximale sur les Schulberg et leur équipe, l'ouverture du procès est reportée pour des questions de logistique. La nouvelle date est fixée au 20 novembre 1945. Ces quelques jours sont immédiatement mis à profit par les Schulberg pour tenter une dernière mission. Ils viennent d'apprendre l'existence d'une autre cache importante, mais cette fois en secteur soviétique, ce qui complique singulièrement les choses. Car même si les prémices de la guerre froide n'ont pas encore totalement coupé les ponts, les relations entre soviétiques et américains sont très tendues. Bud, l'aîné, prend alors l'initiative de contacter à tout hasard l'officier de l'armée rouge responsable du secteur de Babelsberg, où pourrait se trouver cette cache. Contre toute attente, celui-ci accepte de le recevoir. Major Avenarius, je ne l'oublierai jamais. Il m'a dit, je ne comprends pas. Pourquoi un jeune officier de marine vient-il en zone d'occupation soviétique? J'ai du mal à comprendre ce que vous venez faire. J'ai répondu, c'est une longue histoire, Major. Nous faisons partie de l'équipe de John Ford. J'en étais à peine arrivé là qu'il m'a demandé, John Ford? En un seul mot, il a dit, John Ford? Vous connaissez John Ford? J'ai dit, oui, nous travaillons pour lui. C'est notre patron. Alors il a dit, j'ai écrit deux livres sur John Ford. Il s'avère que cet homme est le plus grand spécialiste de John Ford au monde. Et il me bombarde de questions. Il veut savoir pour chaque film les uns après les autres. Il était tout excité. Vous vous souvenez dans le film « Vers sa destinée », vous savez? Quand Henry Fonda a ses pieds sur le bureau, vous vous souvenez du plan? Vous vous souvenez de l'angle du plan? C'était extraordinaire. Et du coup, il est notre ami maintenant. Il aurait fait n'importe quoi pour nous. Il nous a dit, venez, le type a tous les négatifs des films que nous cherchons. Et il me dit, amenez un camion, prenez tout ce que vous voulez. Il y a certainement eu des actions menées par les Allemands ou leurs agents pour détruire les preuves. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas exactement ce qui a été détruit.
C'est pour ça que cette rencontre, avec cette sorte d'échange de films nazis, entre le responsable russe du studio de Babelsberg et les Schulberg, est si intéressante. Tout était stocké à Babelsberg. Et c'est comme si, tout à coup, ils avaient obtenu les clés du paradis. Sur cette liste rédigée par Bud Schulberg à l'attention de ses supérieurs, figure un certain nombre de documents que son nouvel ami, le major Avenarius, avait accepté de céder. Parmi ceux-ci, un discours accablant tenu par l'idéologue du régime, Alfred Rosenberg, qui pèsera lourd dans sa condamnation par le tribunal de Nuremberg. D'autres images seront précieuses pour détailler la politique de terreur exercée par les nazis lors de leur conquête du pouvoir, étayant de manière déterminante l'accusation de complot et de préméditation à l'encontre des prévenus jugés à Nuremberg. Ceux-ci ont désormais été transférés dans les sous-sols du palais de justice, où ils attendent l'ouverture imminente du procès. L'un des accusés, Robert Ley, s'est donné la mort quelques jours auparavant, et les prévenus sont désormais surveillés 24 heures sur 24. Hier, nous avons vécu un nouveau grand moment. Rudolf Hess, l'un des accusés, a été conduit dans notre salle de projection pour visionner des images de lui et d'autres cadres importants du régime nazi en train de vociférer et de hurler leur propagande. Hess prétend qu'il est devenu amnésique, espérant échapper ainsi à la justice. Il y avait avec nous une équipe de psychiatres qui observe Hess depuis son arrivée ici. Tous espéraient le coincer, guettant un signe, quelque chose qui leur permettrait de prouver qu'il simule. Eh bien, s'il simule, ce fut un échec total. Hess s'en est remarquablement bien sorti, parvenant à rendre son amnésie tout à fait crédible. Attention, the International Military Tribunal will now enter. 20 novembre 1945. Une date désormais historique, celle de l'ouverture du procès de Nuremberg. 218 jours d'audience, 5330 documents, 236 témoins. Des débats en quatre langues traduits simultanément. Dans le box des accusés, ont pris place 21 hauts responsables nazis sur les 24 poursuivis. Trois manquent à l'appel. L'un s'est suicidé, l'autre est en fuite, tandis que le troisième a été dispensé pour des raisons médicales. Le procureur Jackson sait désormais qu'il peut compter sur les films préparés par les Schulberg pour créer la sensation dans le tribunal. Plusieurs montages ont été prévus, à partir des archives rassemblées par les deux frères, mais aussi des images tournées lors de la libération des camps, par les caméramans américains, britanniques et soviétiques. Ces films seront projetés au fil des audiences pour étayer les différents chefs d'accusation. The privilege of opening the first trial in history for crimes against the peace of the world imposes a grave responsibility. These defendants arrange frequently to be photographed in action. We will show you their own films. You will see their own conduct and hear their own voices as these defendants reenact for you some of the events in the course of the conspiracy. The real complaining party at your bar is civilization. Jackson explique qu'il va précisément montrer les films nazis, hein, parce que les dignitaires, les accusés avaient finalement la vanité de se faire souvent filmer, en expliquant de manière assez précise que le tribunal va pouvoir entendre les paroles des accusés et les voir rejouer sur l'écran certains épisodes du complot, du plan concerté. Donc on pourrait presque dire que le procureur Jackson imagine un peu les films comme une sorte de reconstitution judiciaire par écran interposé. Le procureur Jackson a tenu à ce que le procès soit filmé. Il a en tête un grand film,
universel, qui, retraçant les grandes étapes d'un procès qu'il veut exemplaire, agirait sur les générations futures comme un véritable antidote au fascisme et à l'arbitraire. Jackson s'est tout naturellement d'abord tourné vers Bud Schulberg pour en assurer la réalisation. Mais Bud, impatient de se remettre à ses projets d'écriture personnelle, a l'intention de rentrer à New York. C'est donc son jeune frère, Stuart, qui va s'atteler à la tâche. Celle de réaliser le premier grand film de procès. Celui qui servira de matrice à tous ceux qui lui succéderont dans l'histoire. La tâche ne s'annonce pas des plus faciles. Les caméras et enregistreurs sonores sont à l'époque des appareils volumineux et bruyants. Et plusieurs juges estiment que leur présence risquerait de compromettre la sérénité des débats. Le matériel sera donc, la plupart du temps, isolé derrière des parois vitrées, dans des emplacements spécialement aménagés pour l'occasion. Il y en a essentiellement trois. Celui de la cage de verre, qui se situe à la gauche des juges et qui permet d'enregistrer du son de manière synchrone avec l'image. Une autre caméra se situera à l'opposé, à la droite des juges, et permettra de filmer à la fois les accusés, mais aussi l'intervention des procureurs. Enfin, une troisième caméra se situera dans le box à l'origine des opérateurs radio et qui permettra, là encore, de produire images et sons. « 400 journalistes venus du monde entier sont présents dans la salle. Mais devant le côté fastidieux de certains débats, ralentis par les traductions simultanées, l'intérêt de la presse semble peu à peu s'émousser. Le procureur Jackson décide alors d'avancer de quelques jours la date initialement prévue pour la projection du premier film sur les exactions nazies. Stuart Schulberg effectue les dernières vérifications d'éclairage. Pour Jackson, il est capital de pouvoir fixer sur la pellicule la réaction des accusés face aux images de leur crime. Au moment des derniers essais, nous nous sommes aperçus que la source de lumière était trop vive et que du coup, on voyait mal les images sur l'écran. Nous avons donc décidé au dernier moment de tamiser avec du ruban adhésif les tubes de néon que nous avions placés au pied des accusés. Il était alors 9h passées. Alors que j'étais fébrilement en train de m'affairer, accroupi sur mon tube de néon, Göring et Hess se sont dirigés vers moi. Je me trouvais pile sur leur trajet vers le box des accusés. Alors que j'étais au niveau de ses bottes de cuir, Göring a regardé un moment mon installation, puis me dit « Le cinéma, hein? C'est ça ?» Quant à Hess, qui à ce moment-là jouait toujours aux amnésiques, il s'est mis à taper dans ses mains, l'air émerveillé. Göring sourit et se tourna vers moi en haussant les épaules. Une demi-heure plus tard, alors que les images défilaient sur l'écran de Nuremberg, leur sourire avait disparu. If the tribunal please, we shall proceed with the projection of the film. Le premier film préparé par l'équipe des Schulberg est projeté le 29 novembre 1945. C'est un montage d'une heure, réalisé à partir des images tournées par les Alliés lors de la libération des camps de concentration. These are the locations of the largest concentration and prison camps maintained throughout Germany and occupied Europe under the Nazi regime. This film report, covering a representative group of such camps, illustrates the general conditions which prevail. The camp is chosen for a high command inspection led by General Dwight D. Eisenhower. Also present are Generals Omar N. Bradley and George S. Patton. The 4th Armored Division of General Patton's 3rd Army liberated this camp early in April. They see the woodshed where lime-covered bodies are stacked in layers and the stench is overpowering. The general and his party next see the crude woodland crematory, actually a grill made of railway tracks.
Charred remains of several inmates still lay heaped atop the grill. J'avais 21 ans, 22 ans. C'était évidemment assez impressionnant. Les visions d'horreur, ça a été tout au début du procès. Et ça a créé évidemment une émotion considérable, même parmi les accusés qui ne pouvaient plus dire que ça n'a pas existé. Enfin, ces visions de cadavres traînés par des bulldozers, etc., c'était abominable. Ça a créé un vrai choc dans... Ça a créé un vrai choc, et en particulier, même les accusés, bon, même s'ils disaient on ne savait pas, ils étaient quand même face à ces horreurs. Et c'était un bon coup de la part de Jackson de montrer ces horribles images assez tôt pendant le procès. This was Bergen-Belsen. Lorsque les lumières se sont rallumées, comme toute la salle, je fixais les 21 accusés. Keitel essuyait des larmes. Ribbentrop, l'élégant diplomate qui avait réponse à tout, fixait ses pieds en hochant lentement la tête. Raeder et Dönitz, les deux officiers supérieurs, regardaient dans le vide, droit devant eux. Rosenberg avait la tête posée sur la table devant lui. Et même Göring, qui jusque-là ricanait et distribuait des clins d'œil et des sourires en coin à ses collègues, semblait tétanisé, enfin, la mâchoire pendante. Mais la réaction la plus étonnante fut celle de Hans Frank, poursuivi pour l'assassinat de 5 millions de Polonais. Alors que tous les prévenus repartaient un à un vers leurs cellules, il est resté immobile, assis, jusqu'à ce qu'un garde vienne littéralement le tirer vers sa cellule. Il est vraiment ému, je dois l'admettre. Il pleure presque. Il aurait dû conserver cet état, s'en souvenir, et admettre ce qu'il avait fait. Mais vous croyez qu'ils n'avaient jamais vu ces images? Je ne pourrais pas vous dire pour les autres, mais pour lui, je suis sûr à 100% que mon père n'avait jamais vu ces images, parce qu'il ne voulait pas les voir. Il savait exactement ce qui se passait, ce qui arrivait à toutes ces personnes innocentes. Mais les voir ici, dans cette pièce en plus, ça c'était quelque chose de vraiment nouveau pour lui. Et vous pensez qu'il a eu des remords? Non, jamais. La veille de sa mort, il a écrit à son avocat, M. Seidel, et à sa femme, ma mère. Il a écrit « Je compte sur vous pour dire la vérité sur moi. Je n'ai jamais été un criminel. » Incroyable. Après une année entière de procès, avec toutes ces preuves, avec tous ces films, les images d'Auschwitz. Et après, il ose dire cela. C'est quelque chose que je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. Le lendemain même de la projection, premier coup de théâtre. Rudolf Hess, qui jusque-là s'était muré dans son personnage d'amnésique, demande soudainement l'autorisation de lire une déclaration. Herr Präsident,
Ab nunmehr steht mein Gedächtnis auch nach außen hin wieder zur Verfügung. Die Gründe für das Vortäuschen von Gedächtnisverlust sind taktischer Art. Ich betone, dass ich die volle Verantwortung trage für alles, was ich getan, unterschrieben oder mit unterschrieben habe. Quelques jours plus tard, le 11 décembre 1945, l'accusation présente à l'audience le second film préparé par l'équipe des Schulberg. Ils viennent tout juste d'en terminer le montage. D'une durée de 3h15, The Nazi Plan a été réalisé à partir des documents retrouvés lors de la mission des deux frères. Ce film est essentiel pour étayer l'idée d'une préméditation de la guerre et des atrocités commises par les nazis. Plus qu'aucun autre film, The Nazi Plan a forgé notre mémoire collective sur cette période. Les frères Schulberg ont joué un rôle primordial dans nos représentations. Aujourd'hui encore, la plupart des documentaires réalisés sur ce qu'on appelle le Troisième Reich utilisent des images qui ont été rassemblées et sélectionnées pour ce film. Tout le monde remonte à cette même source d'images. Le travail qu'ils ont effectué à l'époque a donc eu des implications très importantes sur le long terme. S'appuyant sur la chronologie soigneusement reconstituée par The Nazi Plan, les débats se poursuivent. Des semaines, des mois d'interrogatoires, de contre-interrogatoires. Les Américains veulent montrer au monde que malgré l'énormité du crime, la justice se doit d'être impartiale. C'est tout l'enjeu du film sur le procès confié au plus jeune des frères Schulberg. Mais pour accomplir cette nouvelle mission, il va devoir affronter toute une série d'obstacles. Les juges ont pris la décision de n'autoriser le filmage du procès que dans la limite de 35 heures, pour un procès qui a duré près d'un an. En fait, on dispose d'environ 38 ou 39 heures, car certains passages du procès ont été filmés par plusieurs caméras, à partir de positions différentes. Et c'est avec ce matériel que Stuart Schulberg a dû se débrouiller pour faire son film. Les opérateurs qui se trouvaient dans cette salle étaient des opérateurs de l'armée américaine. Il était prévu d'utiliser des caméramans de l'OSS, mais l'OSS a été démantelé entre-temps. Ce sont donc des opérateurs des Signal Corps qui ont été missionnés. C'est une unité spécialisée dans les télécommunications. Le problème, c'est qu'ils ne parlaient pas un mot d'allemand. C'était un problème de plus, donc. Ils n'arrivaient pas vraiment à suivre ce qui se passait. Alors parfois ils filmaient, parfois non, parfois ils attrapaient quelque chose d'important, et parfois ils coupaient la caméra trop tôt. Le résultat est que le matériel à partir duquel Stuart Schulberg a dû travailler était plutôt de mauvaise qualité. Mais Stuart Schulberg trouve la parade. L'intégralité des débats ayant été enregistrée sur des disques de cire, il entreprend, avec l'aide de ses deux monteurs, Robert Parrish et Joe Zigman, un travail colossal. Il s'agit d'exploiter au maximum le peu d'images dont il dispose, pour jouer ensuite sur des « off », c'est-à-dire monter le son sur les plans d'écoute des uns et des autres. Ich möchte nochmals betonen, dass ich über militärische Maßnahmen nichts wusste. Und wenn ich es gewusst hätte, hätte ich nicht die geringste Veranlassung etwa. Mais tandis que Stuart Schulberg se démène dans sa salle de montage, les Soviétiques, qui entendent eux aussi inscrire le procès dans leur roman national, mènent leur propre projet, confié au caméraman et réalisateur Roman Kerman. La salle d'audience de Nuremberg devient le lieu où les deux alliés se positionnent face à l'histoire, chacun cherchant à se présenter comme le grand vainqueur du nazisme. Dans ce combat pour la maîtrise de la narration historique, les images vont jouer un rôle primordial. Les Soviétiques parviennent à négocier une journée de tournage spéciale, hors procès, où ils peuvent filmer les prévenus s'installant dans leur box comme pour une journée d'audience ordinaire. Le réalisateur soviétique,
Roman Kerman a trouvé un emplacement de choix qui lui permet d'assurer toute une série de gros plans que les Américains n'ont jamais pu tourner. Ces gros plans, tournés par Roman Kerman, sont d'une redoutable efficacité dramaturgique. Aujourd'hui encore, ils permettent de percevoir toute l'intensité de ce qui se joue dans la salle. Comme ce 1er octobre 1946, jour du verdict délivré par le président du tribunal, le juge Lawrence. The International Military Tribunal sentences you to death by hanging. 12 condamnations à mort, 3 peines de prison à perpétuité, 4 autres de 10 à 20 ans, 3 acquittements. 11 des 12 condamnés à mort sont exécutés 2 semaines plus tard, dans la cour de la prison de Nuremberg. Le dernier, Göring, s'étant donné la mort dans sa cellule la veille de l'exécution. Il faudra près d'un an et demi à Stuart Schulberg pour mener à bien la réalisation de son film consacré au procès. Des divergences au sein des autorités américaines à propos des enjeux du film ont considérablement retardé son travail. Il devra écrire 11 versions successives du script avant de pouvoir s'attaquer au montage du film proprement dit. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la fin du procès. Alors qu'il est en plein montage de son film, le jeune réalisateur parvient à mettre la main sur un document filmé exceptionnel. Il lui est remis par un habitant de Berlin qui vient d'acquérir la maison d'un ancien haut responsable nazi, Arthur Nebe. On y voit l'un des premiers essais de gazage sur des êtres humains, tourné vraisemblablement par Arthur Nebe lui-même, en 1941. Les victimes sont des patients d'un asile d'aliénés, dans la région de Mogilev, en Biélorussie. Stuart Schulberg écrit à l'époque qu'il s'agit du seul document connu qui montre le crime en train de se commettre. Ces images étaient encore inconnues lors du procès de Nuremberg, mais leur importance est telle que Stuart décide alors de les intégrer à son montage. Nous sommes désormais début 1947. Alors que Stuart Schulberg est loin d'avoir terminé son film, celui réalisé par Roman Kerman, Le Tribunal des Peuples, est prêt. Les Soviétiques se payent même le luxe d'organiser une première au cœur de New York, sur Times Square. Les Rouges terrassent les Yankees. La presse américaine ironise sur le retard pris par la fabrication du film américain. Un retard à mettre sur le compte des rivalités entre Washington et les autorités militaires américaines de Berlin. L'une des grandes batailles était de savoir s'il s'agissait d'un film destiné à un public allemand ou au contraire à un public international. Les gens en poste à Berlin, regroupés au sein du gouvernement militaire, voulaient en priorité faire du film un outil de dénazification, un film qui servirait pour la rééducation du peuple allemand. Ils voulaient montrer la différence entre la justice nazie et la justice des Alliés. Stuart Schulberg estimait de son côté qu'il ne faisait pas un film uniquement pour l'Allemagne, que le procès de Nuremberg était un événement inédit dans l'histoire de la civilisation, dont les enseignements concernaient le monde entier, et pas seulement les Allemands. Naviguant comme il le peut entre ces injonctions contradictoires, Stuart Schulberg termine enfin son film début 1948, un an après celui de Roman Kerman. Lord Justice Geoffrey Lawrence, Great Britain. Mr. Francis Biddle, United States. Monsieur Henri de Vab, France. Major General Iona Nikitchenko, USSR, and their alternates prepare. D'une durée de 80 minutes, le film de Stuart Schulberg retrace toutes les étapes du procès de Nuremberg, tourné au moment où Soviétiques, Américains, Français et Britanniques étaient encore unis contre le nazisme. Intitulé Nuremberg, une leçon pour le monde d'aujourd'hui, c'est un film fort,
nécessaire, qui fait entrer dans l'histoire les grands moments du procès, mais aussi toutes les archives filmées que Stuart et Bud Schulberg ont compilées pour le procureur Jackson. Le film reprend également l'essentiel des séquences tournées lors de la libération des camps par les opérateurs américains, britanniques et soviétiques. Mais ce film, le monde ne le verra pas. En tout cas, pas avant de nombreuses années. Le 28 juin 1948, les forces soviétiques entourent brutalement Berlin, imposant un blocus sur la capitale allemande qui n'est ravitaillée que grâce aux ponts aériens mis en place par les forces occidentales. Le monde bascule dans la guerre froide. C'est cette même guerre froide qui explique le peu d'enthousiasme des Alliés à continuer à poursuivre les criminels de guerre nazis. En gros, à partir de 1950. Cette même guerre froide qui faisait que maintenant l'Allemagne, en tout cas l'Allemagne de l'Ouest à cette époque, était notre allié et l'Union soviétique notre nouvel ennemi. Ce n'était pas du tout l'histoire que racontait le film. Le film contredisait dans une certaine mesure cette vision des choses, ce récit officiel. Et du coup, nous avons gâché une formidable occasion, celle d'éclairer le peuple américain, de lui rappeler pourquoi nous nous sommes battus pendant la guerre. Une première du film de Stuart Schulberg est tout de même organisée en Allemagne, au mois de novembre 1948. Non à Berlin, toujours encerclé par les soviétiques, mais à Stuttgart. Devant le succès de ses premières projections, la sortie américaine est prévue dans les semaines suivantes. Mais à Washington, le climat a changé. Le Congrès vient d'approuver le lancement d'un gigantesque plan de reconstruction de l'Europe. 2 ans se sont écoulés depuis la fin du procès de Nuremberg. La mise en place du plan Marshall est désormais la principale priorité du gouvernement américain. Dans le cadre du plan Marshall, des millions et des millions de dollars ont été investis. Pas seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. Mais en Allemagne aussi, pour aider le pays à se relever, à reconstruire son économie. Et cette idée se trouvait alors en contradiction avec celle de punir un pays responsable de tant de crimes de guerre. Ces images de bulldozers en train de pousser des cadavres dans des fosses, ces images rendaient difficile l'idée même d'aider l'Allemagne. Fin 1948, la décision tombe. La sortie du film est purement et simplement annulée. Les ambitions humanistes du procureur Jackson, de Stuart Schulberg et de toute son équipe qui avait placé tant d'espoir et d'énergie dans ce film sont réduites à néant par la nouvelle donne politique à Washington. Mais les impératifs du plan Marshall et de la reconstruction de l'Europe ne sont peut-être pas les seuls responsables. Ce n'est pas un hasard si le film n'est pas sorti sur les écrans américains. C'est une décision du gouvernement, une décision qui a été prise par le ministre des Armées de l'époque, Kenneth Royal. Il y avait bon nombre de hauts gradés américains qui n'aimaient pas l'idée qu'on poursuive en justice des officiers supérieurs allemands. Ces officiers estimaient qu'ils ne faisaient qu'exécuter les ordres d'Adolf Hitler et ne se considéraient pas responsables des crimes nazis. Donc il y avait comme une sorte de solidarité entre certains officiers allemands et américains. Pendant ma jeunesse, je ne savais vraiment rien du film de mon père sur Nuremberg. Ma mère est morte en 2002, et alors que nous débarrassions son appartement, nous sommes tombés sur tous ces cartons, toutes ces boîtes remplies d'archives sur Nuremberg, dont nous ne connaissions pas du tout l'existence. Il y avait aussi une boîte de film 16 mm qui était posée là, au bout de l'étagère, depuis des années et des années. Les gens posaient leur verre de vin dessus. On n'a jamais vraiment remarqué que c'était le film qui était là. Et en retrouvant brusquement tous ces documents, tout est devenu comme présent, nous interrogeant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai essayé de donner un sens à toutes ces archives. Et je continue, elles sont là, partout autour de moi. J'y travaille sans cesse pour essayer de comprendre l'ensemble de cette histoire. «
Pendant près de 10 ans, Sandra Schulberg a entrepris un travail colossal pour restaurer le film de son père. Il a fallu retrouver les bobines, restaurer l'image passablement dégradée par le temps, ainsi que le son, dont une partie avait été perdue. Aujourd'hui, le film existe dans 13 langues. Et Sandra parcourt le monde pour le projeter à nouveau. Grâce à elle, l'œuvre de son père peut enfin reprendre sa route. Et son titre, Nuremberg, une leçon pour le monde d'aujourd'hui, tout son sens. En regardant à nouveau Nuremberg, une leçon pour le monde d'aujourd'hui, j'ai été frappé par le côté incroyablement visionnaire du procureur Jackson. Tragiquement visionnaire, en fait. Voici ce qu'il dit. Ce procès est d'une importance capitale. Il faut bien comprendre que les prévenus incarnent des forces sinistres qui nous hanteront encore longtemps, bien après que leur corps soit retourné à la poussière. Ces forces qu'ils symbolisent sont celles de la haine raciale, du terrorisme, de la violence, de l'arrogance et la cruauté du pouvoir. Ils sont les symboles vivants de la manipulation, du nationalisme et de l'esprit guerrier les plus féroces. C'est très exactement les problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Le monde n'a pas changé autant que les grands visionnaires qui ont inspiré le procès de Nuremberg l'espéraient. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ce film. Ils voulaient être sûrs que le monde n'oublierait pas et qu'il en tirerait les enseignements. Malheureusement, de ce côté-là, nous avons encore beaucoup de travail.